bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de l'accordéon avec Soufflez ses jouets au musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, en compagnie aujourd'hui de Gambrinus. Gambrinus, c'est le saint patron des buveurs de bière, facilement reconnaissable à son sourire paillard et à sa chope de bière levée. Pour la partie musicale de cette émission, eh bien, rendez-vous assez sympathique puisque je vous présenterai deux jeunes valeurs montantes, deux jeunes virtuoses de l'accordéon au cours de cette émission avec Marilyn Menweg, tout juste âgée de 9 ans, s'il vous plaît, et Christian Mangel, qui est un jeune vagien, lui âgé de 18. Autre lieu de ce musée de la brasserie, la salle de brassage, justement, je vous propose d'y retrouver Vincent Menweg, professeur d'accordéon qui n'a pas attendu le 1er janvier 1993 pour exporter son talent, puisqu'il est à la fois professeur d'accordéon en Allemagne comme en France. Vincent Menweg, du côté de la salle des brassages. Donc dans Souffler ses jouets, Christian qui est aussi un excellent compositeur pour toutes les sociétés d'accordéon. Christian qui était accompagné dans cette valse par de jeunes et talentueux danseurs, vous l'avez remarqué, ces jeunes danseurs qui illustrent parfaitement le folklore brassicole des années 30. Les années 30, des années fastes pour les maîtres brasseurs, d'ailleurs ce qui explique notre présence dans cette salle de brassage. Sans transition, je propose de retrouver une jeune virtuose de l'accordéon et malgré son jeune âge, 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans, eh bien, elle est déjà une véritable impératrice, une véritable princesse du renouveau de l'accordéon. Je propose de retrouver la fille de Vincent Menweg, le professeur qui s'est produit la semaine dernière. Je propose de retrouver le petit bout de chou qui est Marilyn Menweg. Thank you.
Quel plaisir que d'écouter cette petite impératrice du renouveau de l'accordéon, Marilyn Mendes.